Le cancer du col de l'utérus est une vraie menace pour la vie de l'autre moitié du ciel. Le dépistage est donc recommandé et encouragé pour prévenir la maladie et surtout pour mieux prendre en charge en cas de tumeur. L'association des Amis du Futur a initié une séance de dépistage au profit de ses membres et d'autres associations. Sœur Aruna Mare Draman Guéné. L'association des Amis du Futur, ADAF, veut barrer la route au cancer du col de l'utérus. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, tôt ce matin, carnet de santé en main et drapé de leur uniforme, les membres de l'association se sont mobilisés pour se faire dépister ici au centre de santé et de promotion sociale du secteur 27 de la ville de Ouagadougou. Notre objectif, c'est venir en aide aux femmes démunies, aux EEV, les enfants orphelins et vulnérables à l'accès gratuit des soins. Maintenant, s'il se trouve que vous-même, membre de l'association, vous n'êtes pas bien portante, vous ne pouvez pas aider les femmes. Je voudrais dire à toutes les femmes du Burkina Faso, elles n'ont qu'à faire le dépistage du col de l'utérus pour qu'elles puissent aussi assister au développement du Burkina Faso. Séance d'explication à l'appui et dans une ambiance détendue, la sage-femme tente de convaincre ces femmes du bien fondé du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col est le seul cancer qu'on peut voir l'évolution et savoir qu'une femme peut avoir un cancer dans 10 ou 15 ans. Donc nous pouvons dire que c'est un cancer qui peut être maîtrisé si le dépistage est fait à temps. C'est en 2013 que l'association ADAF a été portée sur les fonts baptismaux. Depuis lors, elle s'investit pour le bien-être de la femme et de l'enfant.